Pas d'inquiétude, l'épidémie Mpox n'est pas à sa première apparition en RDC. La maladie existe depuis 1970 et le premier cas a été découvert dans la province de l'Équateur. Le vaccin demeure le moyen le plus sûr pour couper la chaîne de transmission. Vous suivrez l'avis d'experts en santé publique au début de ce journal. Également au sommaire de votre secteur, 49 otages libérés au nord Kivu et en Ituri par les FARDC, appuyés par l'armée ougandaise. Parmi ces otages, 16 femmes, 24 enfants et 3 garçons. Ils ont été remis à la société civile et à la MONUSCO pour leur réinsertion communautaire. Bien avant, ils ont été présentés au porte-parole des opérations militaires Sokola Grand Nord. On y revient dans un instant. Et enfin, deux marques de farine de maïs en provenance de la Zambie, interdites d'importation, change de nom pour tenter de franchir les frontières congolaises. L'alerte vient d'être lancée au cours d'un échange entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kawunga, et le président de la Fédération des entreprises du Congo. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. L'hôpital général de Niragongo, dans la province du Nord, qui vous débordait par le nombre de malades touchés par les Mpox. 81 cas déjà ont été enregistrés ces derniers jours. Tous sont mis en quarantaine. Les déplacés de guerre parmi les plus touchés. Des chiffres livrés par le médecin directeur de cet hôpital, qui parlait aussi des 45 guéris et 0 décès. Regardez. Au total, 81 cas de personnes atteintes par Mpox admis à l'hôpital général de référence de Niragongo. 45 d'entre eux sont guéris, 0 décès. Telle est la statistique enregistrée du 14 juin au 11 juillet de l'année en cours, selon Josué Badiambila, médecin directeur de cette structure sanitaire. Les gonflements de la peau sous forme d'égales, les plaies au niveau des orifices, c'est parmi les signes de la dite maladie, selon les docteurs. L'hôpital, jusqu'à présent, nous fonctionnons et fonctionnel. Et 24 heures, nous recevons les malades, sitôt les déplacés. Nous avions fait un lieu d'isolement pour ces cas-là. Et les cas-là sont isolés par rapport à d'autres malades. Ces derniers sollicitent auprès du gouvernement et ses partenaires à renforcer la prise en charge des patients dont la majorité sont des déplacés de guerre. Les grands messages à lancer au niveau du gouvernement, c'est continuer à s'y venir tant soit peu en besoin de ces maladies. Et jusque-là, qui prend beaucoup de déjà, ou bien qui a l'ampleur un peu élevée par rapport à d'autres maladies, et de continuer toujours à se battre, chercher les partenaires par-ci par-là pour venir aider ces patients. Bien sûr, ce sont des malades qui ont aussi des soucis psychologiques. Ils sont des déplacés et puis ils sont frappés par cette vague de maladies. Et psychologiquement, ils ne sont pas stables. Il faut aussi que les paquets psychologiques soient aussi pris en charge. Signalons que la prise en charge des malades qui souffrent de Mpox est gratuite à l'hôpital général de référence de Niragongo. Et justement, pas d'inquiétude, l'épidémie Mpox n'est pas en sa première apparition en République démocratique du Congo. La maladie existe depuis 1970 et le premier cas a été découvert dans la province de l'Équateur. Le vaccin demeure le moyen le plus sûr pour couper la chaîne de transmission, estime le docteur Gabriel Tsakala, spécialiste en santé publique, interrogé par Joseph Oscar Mbalkaïche. Des origines lointaines pour cette maladie, la variole du singe. Une maladie virale qui se transmet entre les animaux et les hommes, et aussi entre les hommes eux-mêmes. Plusieurs foyers se sont déclarés à travers le monde et la République démocratique du Congo. Depuis 1958, on a isolé chez certains singes au Danemark un virus qui était apparenté au virus de la variole humaine. Mais sa spécificité, c'est que ça attaquait beaucoup plus les singes. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que ce virus pouvait aussi provoquer une maladie qui passerait des animaux vers les humains. Ici en RDC, c'est depuis 1970. Donc ça fait 54 ans que cette maladie a été découverte au niveau de la province de l'Équateur. Des mesures de contingence ont été prises en guise de riposte contre cette maladie.
Les vaccins sera aussi un élément très important pour pouvoir contenir l'épidémie parce que ces vaccins ont déjà prouvé ses preuves de l'autre côté de l'Occident. Mais je précise que ce n'est pas un vaccin qu'on a fait pour l'Afrique. Ce n'est pas un vaccin qu'on fait pour la RDC. Ces vaccins-là ont été déjà faits pour l'épidémie qui était en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et d'ailleurs, nous sommes en train de négocier ces vaccins pour que ça puisse aider à réduire la transmission. La population n'a pas à s'alarmer. Nous ne devons pas avoir peur. Il ne faut pas céder à une panique. Nous ne sommes pas en face d'une nouvelle maladie. C'est une maladie que nous connaissons et les équipes travaillent déjà depuis des années dans les zones où il y a endémicité, où cette épidémie est retrouvée de manière permanente. Et nous avons, nous RDC, la chance d'avoir déjà un arsenal de lutte contre les épidémies. Il y a des personnes formées, il y a du matériel et il y a des équipements nécessaires et des laboratoires pour pouvoir faire face à ce genre d'épidémie. Le gouvernement de la République a mis les bouchées doubles pour juguler et même stopper la propagation de cette maladie. Et je le dis au sommaire, 49 otages libérés au Nord Kivu en Ituri par le FARDC appuyé par l'armée ougandaise. Parmi ces otages, 16 femmes, 24 enfants et 3 jeunes garçons. Ils ont été remis à la société civile et à la MONUSCO pour leur réinsertion communautaire. Bien avant, ils ont été présentés au porte-parole des opérations militaires Sokola 1 Grand Nord. Plus de précisions dans ce reportage. Ils sont au total 49 ex-otages, dont 6 combattants Maïmaï, 16 femmes et 24 enfants, ainsi que 3 jeunes garçons, qui ont été remis ce mardi 27 août 2024 par les FARDC et UPDF à la société civile via Ukul Defection Community et à la MONUSCO pour leur réinsertion communautaire. Pour les porte-parole du secteur opérationnel sur l'an 1 Grand Nord, le lieutenant-colonel Makazuka, cette remise est une réponse à la campagne de défection aux combattants ZADF MTM. Ces speakers de l'armée appelle la population de les accueillir dans la communauté tout en contournant les camps de justice populaire dont ont toujours été victimes ces rendus. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour dire à la population, à la communauté de bien vouloir bannir la justice populaire parce que ça empêche les combattants qui sont dans cette forêt de sortir et de se rendre. Donc quand ils se rendent, il faut qu'on les présente au service linier, au service de sécurité et autres. De sa part, le président de la société civile de Beni, Maître Pepe Kavota, remercie les armées congolaises et ougandaises dans cet acte qui montre les efforts engagés dans la traque du mouvement terroriste et rebelle de ZADF tout en appelant à ne pas continuer de collaborer avec l'ennemi. Nous devons refuser encore de collaborer avec l'ennemi. Retenez que les forces armées de la RDC et de l'Ouganda restent déterminées pour anéantir complètement cette rébellion terroriste dans la région de Beni. 5 millions de déplacés de guerre de la province du Nord Kivu en manque d'eau potable. Le vice-gouverneur de la province s'est déplacé expressément vers Kinshasa pour exposer les problèmes au ministre de Ressources Hydrauliques Teddy Luamba. Plus de précisions dans ce reportage d'Yvette Makuntima. Province sous état de siège et touchée par la sanglante guerre d'agression perpétrée par le Rwanda, le Nord Kivu présente une demande hyper croissante en eau potable. Cet échange entre les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, et le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, Romy Ekuka Lipopo, a permis de faire le point sur la question « Comment améliorer substantiellement la desserte en eau potable pour non seulement la ville de Goma, mais aussi et surtout ses environs, qui accueillent plus de 5 millions de déplacés ?» La desserte en eau potable que nous avons aujourd'hui grâce à la régie des eaux ne suffit plus. Nous avons énormément de sites tout autour de la ville de Goma où nous ne parvenons pas à faire arriver l'eau. Nous avons estimé que nous sommes à un point où nous devons nous ouvrir à l'extérieur. Alors que nous nous sommes ouverts vers Mercicor, CICR et que nous avons tant soit peu essayé d'augmenter le volume d'eau que nous pouvons offrir à la population de Goma et aux déplacés, nous sommes rentrés un peu en petit souci avec la régie des eaux. C'est ainsi que nous sommes descendus à Kinshasa voir la régie des eaux, le ministère des Ressources hydrauliques et nous osons croire que la solution pointe à l'horizon. De son côté, le patron de l'énergie congolaise, Teddy Luamba Mouba, a exprimé sa volonté d'accompagner la province du Nord Kivu et relever
ces défis majeurs dans une province qui a plus que besoin d'un élan de solidarité nationale. Trois jours accordés aux victimes de l'incendie du marché de la Liberté de Matete pour établir la liste complète des bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement. Une deadline accordée par la première ministre Judith Suminwa lors des échanges qu'elle a eus avec le représentant des victimes de ces drames. Plus de précision avec Jemi Madiane Mogo. Comme elle l'avait planifié, le jardin de premier a ouvert ses portes aux compatriotes dont les marchandises ont été calcinées par l'incendie au marché de la Liberté le week-end. Il s'agit d'une délégation désignée par l'ensemble des victimes. Plus de 450 personnes ont été victimes de marchandises. Après des échanges, les victimes ont sollicité trois jours à la première ministre pour établir des listes des bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement et ne pas faire un travail à la va-vite au risque d'omettre certains. Et donc, vous avez un vendeur ou un victime de marché de liberté, vous allez un peu calme, vous allez un peu bien, et vous allez un peu plus vous allez un peu plus tout tous les gens qui ont un peu vite et rentrent pour les arts rapides. Vous allez maman, il y a un modèle, il y a ma voix, il y a pas si. Merci. Pour la première ministre, ces victimes ont besoin d'un fonds de redémarrage et peuvent se formaliser pour bénéficier des crédits pour vite rentabiliser leurs affaires et souscrire à des polices d'assurance. Pour une prise en charge complète de la question, la chef du gouvernement a associé au-delà des membres de son gouvernement, dont le ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et le député national de la circonscription de la Tchangou, Ogi Kalonji. Et la première ministre a échangé avec le victime du marché de la liberté dans la commune de Massina. Le projet de loi des programmations de la réforme de la police nationale congolaise encore en plein chantier. Plusieurs experts se réunissent depuis le lundi dernier à Kinshasa pour donner du contenu à ces projets qui visent à rendre la police efficace et professionnelle. Les travaux ont été lancés par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemaine Chabani, comme nous dit Bobo Anan Mukundi. Une police professionnelle capable de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens passe par des réformes courageuses. Le projet de loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise est la véritable boussole qui, au cours de la télé des séjours, va recevoir les avis de toutes les parties prenantes. Axé sur le renforcement des cadres institutionnels, le professionnalisme et la redevabilité, cette loi va permettre d'améliorer la gouvernance et la stabilité pour une police efficace et républicaine, encline au respect des droits de l'homme. L'amélioration du cadre juridique des forces de police et de sécurité tient à cœur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a relevé le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, avant de lancer les travaux. J'exhorte donc toutes les parties prenantes à travailler comme d'habitude en synergie pour qu'à l'issue de cet atelier, nous ayons un projet de loi de programmation consensuel finalisé grâce à l'intégration d'amendements pertinents que nous nous engageons à porter au sein du gouvernement de la République pour adoption, au sein de l'Assemblée nationale pour être voté et auprès du président de la République pour. C'est ainsi que nous croyons pouvoir donner à la réforme de la police nationale congolaise des moyens nécessaires à son avancement pour le bien de la population congolaise qu'elle est appelée à sécuriser. Faisons d'une pierre deux coups et dans le souci d'assurer la mobilité de nos troupes pour les rendre davantage efficaces sur terrain. Le coordonnateur du comité de suivi de la réforme de la police a réceptionné aux mains du patron de la sécurité nationale et l'important des véhicules qui sera redistribué aux unités. Des marques de farine de maïs en provenance de la Zambie interdites d'importation changent des noms et d'étiquettes pour tenter de franchir les frontières congolaises. L'alerte vient d'être lancée au cours d'un échange entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, et le président de la Fédération des entreprises du Congo. Regardez. La fermeture des frontières à quelques marques de farine de maïs
en provenance de la Zambie par la RDC, cette décision prise par le gouvernement congolais inquiète les opérateurs économiques. Le patron de la Fédération des entreprises du Congo s'est déplacé vers le ministre du Commerce extérieur pour s'informer de cette nouvelle mesure prise. Au cours de ces échanges, Julien Paluku a donné à Robert Malumba Kalombo toutes les raisons de l'embargo de ces farines de maïs qui contiennent des toxines produites par des moisissures appelées aflatoxines, des substances qui sont nuisibles à la santé du peuple congolais. Autre effet inquiétant, les propriétaires de ces marques de farine de maïs frappées par la mesure changent désormais les étiquettes de leurs produits pour le faire passer à la frontière. Une pratique vivement condamnée par l'AFEC. Concernant des farines, la farine n'est pas de bonne qualité. Normalement, elle ne peut pas entrer en RDC. On ne doit pas privilégier seulement les affaires. Si les produits ne sont pas de bonne qualité, les lois de la République doivent être respectées. La sécurité des Congolais aussi doivent être assurée. On ne peut pas admettre une personne, qu'il soit opérateur économique ou pas, de faire entrer les produits qui sont périmés. Et l'AFEC est contre cette pratique. Bien après, Julien Paluku a discuté avec l'ambassadeur de Namibie en RDC sur la tenue au mois d'avril 2025 du Forum économique et commercial RDC-Namibie. L'ambassadeur guinéen accrédité en RDC a lui aussi discuté avec Julien Paluku sur la signature d'un accord commercial bilatéral entre le RDC et la Guinée. La problématique sécuritaire dans la province de la Tchopo et l'organisation prochaine du dialogue intercommunautaire, toujours dans cette même province, des sujets sur la table de discussion entre les coordonnateurs nationaux intérimaires du PDDRCS et un caucus des députés de cette province. Plus de précisions avec Peggy Mukunda. L'équipe dirigeante du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, composée du coordonnateur national ad intérim M. William Kapuku-Boabois, accompagné de la coordinatrice nationale adjointe chargée de l'administration et de finances, Mme Sylvie Kayomo-Baye, s'est dit prête et disponible à conjuguer des efforts pour que les dialogues intercommunautaires prennent place dans les prochains jours dans la province de la Tchopo. Une annonce faite à l'issue d'une rencontre avec le caucus des députés de la Tchopo, conduit par l'honorable Justin Bendesana. Le sensibiliser sur la problématique sécuritaire au niveau de la province de la Tchopo, les conflits intercommunautaires, intracommunautaires et bien entendu les groupes armés. Nous saluons son oreille attentive. Nous apprécions également sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour que nous puissions dans les jours à venir commencer par le préalable qui va déboucher finalement à ce dialogue qui est tant attendu au niveau de la province de la Tchopo. Les hôtes du programme ont été informés sur le premier pilier de notre stratégie, dite le PDDRCS, est outillé pour la résolution des conflits et la cohésion sociale. Et cela prouve aussi le caractère de ce programme qui est un programme national. On ira partout où il y a des conflits pour que nous puissions amener la paix, qui est la vision du chef de l'État. Les deux parties sont déterminées à concrétiser ces dialogues intercommunautaires afin que règne la paix dans cette partie du pays. L'heure de l'évaluation a sonné pour les différentes réformes entreprises dans le secteur de l'éducation. La première réunion du comité de pilotage s'est tenue à Kinshasa, réunion co-présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et universitaire, Anastasie Doumbou, pour le reportage. À l'approche de la rentrée des classes 2024, tous les ministres œuvrant dans les secteurs de l'éducation se sont retrouvés lors de la première réunion du comité de pilotage pour évaluer les réformes entreprises qui touchent à leur fin et d'autres dans sa mise en œuvre. Question de relever les défis et proposer des pistes et des solutions pour une continuité, telles que la construction des salles de classe dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, la question d'accès aux enfants qui rejoignent le chemin de l'école. Le coup d'envoi a été donné par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, accompagnée de sa collègue Marie-Thérèse Sombo de l'ESU. Un comité de pilotage permanent a été mis en place pour assurer une meilleure coordination du suivi de l'aide au développement dans le secteur de l'éducation. Sa mission est de superviser la mise en œuvre stratégique de ces projets. Il verra également la coordination et à l'harmonisation des actions menées par les différents ministères impliqués.
À l'issue de cette réunion où plusieurs présentations ont été faites par le représentant de chaque projet, à savoir les PERPESU, PERS et PAF. La plus grosse partie des ressources du projet PERS est constituée de fonds d'appui budgétaire. Il a été recommandé qu'une partie, au moins une partie de ces fonds, soit réinvestie dans l'éducation pour rendre plus efficaces les efforts des différentes administrations impliquées. Pour nous, PAF, nous sommes satisfaits en quittant quand même de cette réunion parce que notre PTBA 2024 a été validé. L'occasion pour les gouvernements congolais d'insister pour appuyer des projets qui sont en court terme pour qu'il n'y ait pas rupture, ainsi qu'à l'extension des réformes dans d'autres provinces non ciblées. Il souhaite à ce que cela soit pris en compte dans la loi des finances. Les professeurs émérites des universités continuent de réclamer leurs véhicules promis par le gouvernement congolais, pas seulement, et aussi des maisons pour une retraite honorifique et l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ils l'ont dit à la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombour. D'autres détails avec Alain Bikaï. Ils ont passé toute leur vie à former et éduquer l'élite du pays dans plusieurs domaines et ce, dans des conditions difficiles. Admis déjà les méritats, ce professeur continue toujours à rendre de loyaux services à la nation en exerçant certaines activités académiques, notamment les recherches et l'encadrement des doctorants. Sous la conduite du professeur émérite Malembe Tamandiak, promoteur de la première école du journalisme en Afrique centrale, IFASIC aujourd'hui UNISIC, ses enseignants sont venus faire part à la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire de leurs conditions sociales et des travaux qui ne sont pas reluisantes. Ces savants congolais réclament l'amélioration de leurs conditions sociales, l'obtention de véhicules promis par les gouvernements et des maisons pour une retraite honorifique. Ils ont trouvé une oreille attentive à leur doléance auprès de la professeure Marie-Thérèse Sombo, qui est déterminée à imprimer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce secteur. Pour ce faire, la ministre des tutelles a pris l'engagement d'être leur interlocutrice auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met l'homme au centre de son action. Les ministres de l'Agriculture étaient hier sur le terrain. Grégoire Mouchel Moutom a visité tour à tour la base agricole d'Enkwadi et la fondation Kassalou. Des visites qui s'inscrivent dans le cadre de préparatifs de la campagne agricole, comme nous dit Marie Kalong. Le séjour du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire dans la province du Kasaï oriental était ponctué par plusieurs activités dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2024-2025. Ingénieur Grégoire Mouchaï Moutom a eu une séance de travail avec la ministre provinciale de l'Agriculture. Ensemble, ils ont identifié le bassin de la production agricole tout en ciblant les principales cultures pour lutter contre la malnutrition. Et au forum sino-congolais sur les mines, économie et coopération, le ministre Moutcheil a encouragé l'investissement agricole afin de lutter contre la pénurie du maïs. On est là pour vous aider et vous accompagner à faciliter les opportunités dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Je tenais vivement à vous informer, à informer tous mes frères et sœurs de Kassai, tous ceux qui ont de l'argent caché dans des poches, quelque part dans des banques, que mon ministère ouvre ses portes pour vous accueillir et pour vous accompagner afin que nous puissions reconstruire notre Kassai dans le domaine de l'agriculture. Et c'est le dimanche 25 août que le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire a visité la base agricole de Nkwadi qui s'investit dans la production de la farine de maïs et de manioc. Accompagné de la délégation de BAB, de l'IPEA et des inspecteurs provinciaux, Grégoire Mouchaï Moutom a voulu s'enquérir des différents problèmes liés à la production. Après Nkwadi, l'ingénieur Grégoire Mouchaïl a identifié deux usines de transformation de manioc et maïs, des usines qui sont en difficulté de production faute de l'énergie électrique. Avant de quitter cette partie du territoire national, le patron de l'agriculture, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutom, a visité le site agricole de la Fondation Kassaloun, situé dans la chefferie de Bakwakalonji. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutom, est déterminé de relancer l'agriculture au Kassaï oriental pour mettre fin à la pénurie du maïs.
Le sénateur Justin Kalumba Mwanangongo s'était retiré au deuxième tour de l'élection au poste du rapporteur de la Chambre haute du Parlement. Qu'est-ce qui se cache derrière ces désistements? Est-ce un problème d'argent ou une instruction politique? Il était devant la presse pour s'expliquer. David Mubenga. Devant la presse et les associations féminines, le sénateur Justin Kalumba Mwanangongo a expliqué les motivations de son désistement au poste de rapporteur du Sénat. Ce désistement n'a pas été marchandé à coup d'argent, ni en échange d'un autre poste, encore moins à la suite d'une instruction politique quelconque. Mon désistement a été inspiré par l'exemple combien instructif, prêché au sommet de l'État par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas hésité d'élever pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays une dame en la personne de Madame Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre. Ayant ainsi levé une fois pour toutes l'équivoque qu'a suscité ce geste, Justin Kalumba a réitéré son engagement à lutter pour garantir la représentation et la représentativité de la femme à tous les niveaux de responsabilité. À travers les choix que j'ai opérés, j'ai tenu à manifester un engagement indéfectible en faveur de l'équité des sexes, en particulier dans le domaine de la représentation politique des femmes, car la sous-représentation des femmes au sein des institutions politiques constitue une problématique structurelle majeure dans notre pays. Religion à présent, l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo de la commune de Lagombe a maintenant 30 ans. Pour célébrer cette troisième décennie, un grand culte d'action de grâce a été organisé par les pasteurs de cette communauté. Le détail sur ces images de José Dimonekene. C'est au rythme de chants de louanges accompagnés des instruments que le responsable de l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo de la commune de Lagombe font leur entrée pour célébrer avec faste le 30e anniversaire de leur église. Au cours de ce culte d'action des grâces, l'officiant du jour, le pasteur Raymond Angendou, au-delà de faire un rappel historique de cette communauté, a aussi prêché le retour vers le Christ. Également parmi les pasteurs de cette église, Ali Panazanga Faustin appelle tous les fidèles à l'unité. Qu'on laisse un peu les tiraillements, les zizanies qui nous divisent au sein de la CBFC. Je pense que ce sont des antivaleurs que nous devons lutter pour les éliminer progressivement. Ce moment festif a éteint son paroxysme dans la soirée avec un concert organisé par la chorale Les Rachetés. Ici, instruments et voix mélangées pour remercier le Seigneur pour cette troisième décennie. Et durant les 30 ans de notre marche avec lui, il a été bon, il a été fidèle. Et nous sommes rassurés de son accompagnement pour l'avenir. Avec cette manifestation, l'église CBFC de Lagombe vient ainsi de clôturer les instants festifs liés à la célébration de ses 30 ans. Religion toujours et pour finir, l'église de l'Éternel de l'Imété était en convention de consolidation des vrais adorateurs. Pendant 7 jours, les fidèles de cette église ont été mobilisés à prier pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Djodjoun Dibou, Jir Kabamba et Robert Mouepou pour le reportage. Une ambiance céleste a régné à l'église Image de l'Éternel Limété, dirigée par l'apôtre Matthieu Gédéon Bitangilaï du 19 au 25 août 2025. C'est à l'occasion de la 7e édition de la Convention des consolidations de vrais adorateurs sous le thème 72 heures sur Escalator, inspiré du livre de Genèse chapitre 22 verset 4. Cette édition a mis l'accent sur la marche et le comportement, en particulier le calme qui doivent caractériser un véritable adorateur face à la parole des dieux. À travers louanges et adorations et prières intenses, les fidèles ont imploré la grâce divine pour la nation, confrontée à une situation sécuritaire difficile dans l'Est. Plusieurs orateurs, dont le coordonnateur Patrick
Maître Joyce Mukengeshai et le pasteur Robert Mwepu ont appelé le peuple des dieux à demeurer dans l'obéissance de la parole des dieux, à l'instar d'Abraham sur le chemin de Morija. Ils ont souligné l'importance d'élever Jésus au-dessus de tout pour vivre une vie épanouie. Bénissons le Seigneur pour de merveilleuses choses qu'il a accomplies. Durant cette édition, c'était le presque parfait. Le Seigneur a agi avec tous les prédicateurs. Ils étaient au nombre de sept. Vraiment, nous bénissons son nom. Nos frères et ses sœurs sont massacrés. Mais nous croyons que chaque chose dans son temps, le temps de Dieu, arrivera pour nous venger, pour apporter la paix. Et nous sommes des pères avec nos frères et la grâce de Dieu. C'est le représentant légal de la communauté, le pasteur Godin Poikadima, qui a clôturé cette septième édition. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Pécho Mubenga Yakasongo Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Yannick Koyangumba Chamberton, Emile Zola, José Dimonekene, Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Très bonne suite des programmes. Au revoir.